Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 45e épisode de notre aventure sur Far Cry 6 après avoir fait une dinguerie dans le dernier épisode qui, j'espère, vous a plu. Les amis, nous avons, pour rappel, dans le dernier épisode, détruit l'usine de production de poison, le seul endroit où le poison est créé. Voilà, nous l'avons totalement détruit. Donc il y a encore du poison qui traîne, évidemment, mais une fois qu'il n'y aura plus de poison, bah, il n'y aura plus de poison. Voilà, donc l'usine chimique, il n'y a plus rien. Et ça, c'est cool. Donc, on va aller retourner voir Yelena pour aller lui parler. Petite précision, juste, voilà, je vous le dis de vous à moi. J'ai changé à l'instant, et on va découvrir ça ensemble, mon équipement au niveau du torse. J'ai pris ça là, le cœur de louvois. C'est une matière anti-bruit, donc ça réduit le bruit de nos déplacements. J'ai fait de même pour le pantalon. Pas du tout. Augmente considérablement la vitesse de déplacement. Non, j'ai rien bougé. Pardon, c'est les bottes que j'ai changées. Voilà, pareil, réduit le bruit de vos déplacements. Comme ça, on va être beaucoup plus discret. Et regardez, ça c'est insane. Un bandage de prisonnier. Lors d'une élimination à la machette, donc ce qu'on fait assez souvent, sachant qu'on enchaîne à chaque fois, hein, quand il y a plusieurs personnes, et bien là, je pourrais équiper l'arme de poing de l'ennemi et tirer sur une autre cible. J'ai hâte d'essayer ça. Au bout du 45e épisode, on va faire une dinguerie encore. Ouais, là c'est plutôt eux qui font des dingueries. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à chaque épisode, on fait des mécaniques assez sympas. Et là on va en découvrir une nouvelle et c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de découvrir ça. Vraiment, on va faire des enchaînements du turfu. J'ai trop hâte. Et là on va aller donc parler à Yelena. Je ne sais pas ce qui va se passer. Évidemment, cet épisode va durer une heure. Alors, attention aux promesses quand même. Parce que bon, oui, je compte faire des épisodes d'une heure minimum maintenant. Mais à tout moment, si on arrive au dernier épisode et que je ne le sais pas, bah si ça se trouve, le générique de fin sera dans 30 minutes. Non mais, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais voilà, sachez-le. Donc on est parti. Pourquoi le point a disparu de la carte? Je ne sais pas. Là, on a un petit coin de pêche. Écoutez, on explore. Hein. On explore tranquillement. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager si cet épisode vous plaît. Et le petit commentaire qui fait extrêmement plaisir. Vous êtes d'une fidélité irréprochable. C'est comment vous dire? Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Si je pouvais vous sucer... Non mais attendez, n'exagérons rien. Vous êtes des boss. Voilà, vous êtes des boss, je vous le dis. Mais même, franchement, hein, même ceux qui ne commentent pas et qui regardent seulement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a une majorité silencieuse. Bah, vous êtes des boss aussi. Mais ceux qui interagissent, vous êtes des boss plus plus. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Allez, bam bam. On arrive. Putain, c'est vraiment triste hein, par ici. Hein. Toujours aussi triste. Ah, vous savez pourquoi les arbres y tombent comme ça? En fait, c'est pas la déforestation, c'est les véhicules qui foncent dans les arbres. on l'a vu juste avant. Allez, c'est parti. La dernière fois qu'on l'a vu, elle se dirigeait au nord du bureau de McKay. Et c'est juste ici. Yelena. Ouh. Ouh. Ça ne rigole pas par ici, là. Vive la morale. Danny, je suis content de te voir. Alors, ça, c'est un truc qui me fait peur. Non, attendez, juste, on va pas parler politique avant de parler, mais juste, vous voyez, voilà, maintenant, on a les tags pour Yelena. Voilà, tout le monde est là pour la révolution. C'est pas bon ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que on a aussi des tags pour Clara Garcia. C'est-à-dire que bon, bah c'est bien. On aura tué le dictateur peut-être. Mais c'est qui va prendre la relève? Ce sera toujours la guerre. Parce que elle, donc Yelena, tout comme Clara, bah ils sont là pour la liberté comme on dit. Mais bon, en même temps, voilà, ils ont chacun. On a assez d'hommes pour ça. Chacun des opinions différentes. Bref, dis-moi tout. D'après les fichiers de McKay, les ingénieurs de l'une des raffineries faisaient des heures sup sur un projet baptisé PG240X. Le PG240, c'est le poison qu'ils vaporisent sur les feuilles de tabac dans l'ouest pour faire du viviro. Je pense que le PG240X, c'est ce qu'ils nous ont balancé à l'hôtel. Alors on va foutre en l'air l'opération de McKay en détruisant cette vieille raffinerie de l'intérieur. J'ai envoyé le Kemama sécuriser le périmètre avec une petite équipe. Ils t'attendent. Une fois à l'intérieur, décris-moi ce que tu vois. On trouvera un moyen de tout désactiver. Ça roule, ma poule. Ok, allez. Je vais dire à l'équipe que t'es en route. Mais pourquoi tu pleures? Ah mince, j'avais pas vu ça. Ah oui, non, bah paix à ton âme du coup, frérot. Attends, j'en profite. Excuse-moi, hein, je récupère un petit peu du métal. J'aime beaucoup ce genre de musique. Ah non, on parle pas de ça. Allez, c'est parti.
Direction 500 mètres. Rejoignez les guerriers à la raffinerie de la Joya. T'imagines, il y en a, ils disent Joya. Ingénieur repéré. Oh, il est tout seul. J'aimerais faire des enchaînements, moi. Ah, attendez. Eh, attendez. On va essayer juste un truc. Est-ce que je peux prendre son arme? Non. Ça ne marche que quand il y a un deuxième à côté. Très bien. Enfin, je pense, parce que ça n'a pas fonctionné. Allez, bah on est parti. Bon, on y va à pied. C'est pas très très loin, de toute façon. Et puis, regardez. Ça nous permet de faire des petits tests. Et puis d'explorer, bien sûr, tout simplement. C'est important d'explorer. Regardez, il y a plein de trucs à récupérer, là. Mais en vrai, tout ça, je récupère, mais parce que c'est le réflexe qu'on a sur Far Cry. Parce que c'est toujours utile. Mais en vrai de vrai, ça nous sert à rien, là. Parce que ça sert à vendre. Tout le charbon produit dans la région de la Joya est la propriété de McKay Global. T'inquiète. T'inquiète, mon frère. Bientôt, ce sera plus à toi, frérot. Mais ouais, je vais jamais... Enfin, je vends toutes ces ressources, mais ça me sert à rien. Ah, ça marche pas. Je peux pas sortir d'arme. Ok. Donc, il faut vraiment... Attendez, il y a peut-être plusieurs personnes là-bas. J'ai envie de faire des tests, là. Hein. J'ai envie de m'amuser. Ah, il est tout seul. Fait chier. Contente-toi de faire ton boulot. Ta gueule, toi. Attendez. Non, parce que... on est là pour s'amuser, mais quand même. Lors d'une élimination à la machette, utilisez un pour équiper l'arme de poing de votre ennemi. Ouais, bah déjà ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment qu'il y en ait plusieurs, je pense. Ah, mais parce qu'elle a pas d'arme de poing. Oh, il va se calmer, lui, là-bas. Non, je quiero morir. T'énerve pas. Elle est contente. Elle est contente. Venez, on bute tout le monde. Non. Okay, c'est parti. Oh ouais. Regardez ça. Parfait. Allez, on va les laisser tranquilles. Nous, on a un objectif. Ah pardon, je savais pas que j'avais pas le droit d'aller là. J'avais pas le droit. Ouais. Je savais pas que j'avais pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bon allez, on va les laisser s'enjailler. Il est tout seul aussi. Putain, j'aimerais trop qu'il y en ait deux là, l'un à côté de l'autre. Bon, je pense que dans les phases d'infiltration, ça va être assez intéressant. On verra les amis, on verra. J'espère que vous allez kiffer, on va kiffer ensemble. Et puis voilà. Ça y est, bah voilà, on y arrive. On est chez McKay. Et on va faire une embuscade en fait, concrètement. C'est à peu près ça ce qu'on va faire finalement. Bah attendez, on va rentrer par là. Hop là. Ah bah oui, bon regardez, bah ça a bien commencé. Ah bah voilà, je suis là hein. Comment mon équipe s'en est sortie? On dirait qu'ils ont sécurisé le périmètre. N'oublie pas, tu dois me dire tout ce que tu vois là-dedans. Si j'ai raison, cet endroit est essentiel à la production de leur poison. Je croyais qu'on avait déjà détruit... On dirait bien que vous avez pas besoin de moi. Ceux de l'intérieur ne savent pas qu'on a éliminé ceux de l'extérieur. Je leur ai dit de privilégier les machettes et de t'attendre. C'est ce qu'ils ont fait. Ces gamins apprennent vite. Tu n'as pas tort sur ça. Les explosifs sont installés sur la porte. Que la fête commence. Danny, les boss. Content de te voir. Allez, vous êtes prêts? Ça appartient en couille. 1, 2, 3. Bam. C'est parti. Libertad! Libertad! On va pas tuer les gentils. Yelena, je vois plein de missiles dans des caissons. Rien d'autre? Si! Ils portent tous l'inscription PG240X. D'après les plans, il y a des tas d'équipements électriques. Allez, on monte! On s'introduit, on pénètre. Non, faut pas monter, faut aller là, faut descendre. Aïe! Allez, go, go, go! Salut! J'ai tué un civil. C'est pas grave, c'est pas grave. T'avais raison. On dirait que c'est là que les hommes de McKay fabriquent leurs armes chimiques. Les bombes. Putain. Il faut détruire tout ce bordel. Connecte-moi à un ordinateur. Je vais le faire surcharger. Je m'en charge, Yelena. Ok, faut trouver un ordinateur.
Faut trouver un ordinateur. Bah, il y en a là. Il y en a là. Et ben voilà. Et moi, je suis un hacker, moi, depuis le début de la série. Je tape sur mon clavier, j'arrive à pirater. Hein. T'es connecté. Ah merde. Ces enfoirés. Ok, faut que je reste là en fait. Tu vas rien faire. Alors. Trop fort. Dani, trouve la commande auxiliaire et active-la. Elle clignote en vert. Là. Et après j'y vais. Ouais. Ok, je me casse. Oh merde, oh merde. Oh non, non, non. Sors de là. Je peux pas. Bah oui. Bah c'est ce que j'essaye de... Ah attendez. Eh bah évidemment j'ai plus d'équipement qui me permet de résister. Je suis. Oh oui. Vas-y. Putain mais sucez le Kimama hein. Je retire tout ce que j'ai dit sur elle, je l'aime finalement. Je t'adore. Toi, tu m'as pas trahi au moins. J'arrive. Mamma mia hein. Je dois aller où là? Dani, ça ah. va? À peu près. Prochaine surprise. Ah. Oh, j'ai cru que t'étais mort. C'était vraiment passionnant, regardez. Non, vraiment. Si ça ne t'embête pas, je vais demander des soldats d'os à mon ami Anton. Parce que vous commencez sérieusement à me chier dans les bottines. Aïe. C'est pas moi. C'est pas moi, je me casse. C'est pas moi. Je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Regardez bien. À la Wannabian. Tu déconnes? Tu déconnes? Tu déconnes? Oh mais quelle vie de merde. Mais quelle vie de merde. Bah tu peux rien faire hein. Tu peux rien faire, Allez. Genre, allez c'est bon. Allez c'est trop. Bon échappez-vous. Allez je m'échappe. Me vois pas, tu m'as pas vu. Et il m'a vu. Putain fais chier. Allez 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 faut s'échapper, faut s'échapper. Je me suis échappé mais c'est pas fini hein. Allez foutez-moi la paix. Wouah c'était chaud. Je suis sorti. Dani, je veux que tu saches, j'ignorais que l'usine exploserait. Et je ne pouvais pas sacrifier autant d'hommes. T'as fait ce que t'avais à faire. Si je dois choisir de sacrifier une seule personne pour en sauver un grand nombre. Si ça peut te rassurer, Clara aurait fait la même chose. Vous vous ressemblez plus que tu le crois. Bon, changeons de sujet. Grâce à notre action, Castillo est désormais incapable de fabriquer d'autres armes. C'est un gros coup dur pour le régime. Alors il y aura plus de bombes comme celles qu'on s'est prises à l'hôtel? Tout ce qui reste, c'est celles qu'ils avaient avant. Faudra s'en occuper. Bon, si tu permets, je vais aller profiter un peu de l'air frais. Dani, tu vas pas le croire. Mais avant qu'on attaque Mackay au port, j'ai reçu une demande spéciale de Clara. Et elle a pas tort. Je m'attendais pas à ça. On a l'opportunité de frapper encore plus fort. Si on détruit les réserves de pétrole de Castillo à LST, les soldats stationnés sur l'île seront à sec. Faut avouer que c'est tentant. Détruis les grandes cuves rouges de la Roya. Nos guerriers t'aideront. Je leur ai envoyé des photos des cibles. Merci, camarade. Donc là, plus de poison, plus d'armes, et bientôt plus de pétrole. On est juste les boss. On est juste les boss. Et donc là, on va aller détruire les réserves de carburant.
Je me suis chié dessus. Non, c'est pas bon, l'hélico me cherche toujours. Hein. C'est une dinguerie. Bon. Et ça continue de tirer en plus. Ah ouais, il faudrait que j'y retourne. Non, j'y retourne après, c'est mort. Hein. J'y retourne après, moi. J'y retourne pas tout de suite. Hein. Je suis recherché de ouf, frérot, c'est bon. Hein. Je suis vraiment déçu que mon Supremo ait fait de la merde. Non, mais c'est vraiment la guerre là-bas. Oh ! Ah ouais, c'est la guerre, on va les laisser entre eux hein, d'abord. Hein. Je reviendrai après. Hein. Attends, il va où là ? Il me cherche encore. Hein. Il va me trouver. Hein. Il va me trouver. Non, les gars. Mais frérot, regardez, ils viennent vers moi. Non ? Ou je suis parano ? Je suis désolé, hein. J'essaie de comprendre. Non, non, ils bombardent, c'est bon. Allez. Tiens, j'ai envie de m'amuser. Ah non, la flemme. Allez. On va y aller à 500 mètres. Ah, c'est vous qui faites du bruit, d'accord. Ok, j'ai eu peur. Hein. Mais attendez, mais ça explose de partout, c'est la guerre partout en fait. En fait, dans tous les cas... Ah ouais, en fait, c'est la guerre partout. Ok, d'accord, mais fallait me le dire plus tôt. Bah c'est bien, j'ai pris un petit temps de répit. Et je sors comment, moi? Ah ouais, des hélicos partout. Oh, ok, je serai jamais tranquille. Comment je sors, moi, de là? Je me suis mis dans la sauce. Ah, vous allez me détester, les gars. Bon, pas le choix, il faut que je passe par là, c'est bon. D'accord, donc peu importe où on va, c'est la merde. En fait, là, l'idéal, ce serait d'avoir un hélico, quoi. Concrètement, l'idéal, c'est d'avoir un hélico, quoi. Parce que là, au sol, zéro supremo, rien. Je suis dans la sauce, hein. Je suis complètement dans la sauce. Oh là là. Bon, on va les laisser, hein. Moi, bon, faut que je détruise les silos. Les silos qui ressemblent à ça. Ah bah voilà. Je peux pas détruire ça. Mais si, si, c'est bon. Évidemment. Yes. Trop le seum. Genre, il fallait péter des silos précis là. Non, ça va marcher, je pense. Non, ça va marcher, ça va péter. Faites-moi confiance, ça va péter. Allez, on y va. On y va, on y va. J'avoue, j'ai du mal là. Danny, on a des gars qui tirent sur les culs. Bien compris. Ah bah ouais, mais putain, mais espèce de débile. Ouais, comment tu fais pour détruire ça en fait? Ah, j'ai fait péter là-bas, ça a servi à rien. Ok, j'ai de nouveau mon supremo. Ça c'est pas un 4x4, ça c'est un quad. Bon, regardez, je suis toujours à 0%, je ne comprends pas. Les silos se trouvent à l'est de la Joya, de la Roya, pardon. À l'est de la Roya. Bah ils sont là. C'est ceux-là que je dois... Non mais tu déconnes. Mais alors pourquoi tu m'as dit d'aller là? Ok, bon écoutez, je ne comprends rien.
sachez-le. J'espère que... Oh oui, j'ai des munitions de roquette. Parfait. Sachez que si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère qu'on va, que ça va nous éclaircir un petit peu. Je vais prendre une bagnole. Il me faut un truc qui roule. Et on va y aller. On va y aller de ce pas. Merci frérot. Là, j'ai bien compris que de toute façon, il n'y avait aucune... T'as commandé ça ? Bon choix. Il n'y avait Merci. Aucune... Enfin bref, là c'est du bourrin quoi. Là, c'est du bourrin. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Hop. Bah ouais, mais frérot. Attention, ça brûle ! Allez hop. Ma voiture est en feu, hein. Ma voiture est en feu, c'est excellent ce qui se passe. Allez. Allez, allez. Il y a toujours les hélicoptères. J'espère que mon Supremo va fonctionner cette fois-ci. Ce serait assez sympa. On cible les cuves de la raffinerie. Tu viens ? Ça marche. Allez, on y croit. Voilà. Bon, et l'autre hélico. Il est là. Touché. Allez, arrête de bouger. Arrête de bouger. Touché. Allez, la dernière. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh c'est trop, vraiment c'est trop. J'ai vraiment pas de chance hein. Bon il est bientôt mort hein, mais là faut que je bute des gens pour avoir mon Supremo. Allez on y va. Aïe. Ok. Pardon frère, pardon, pardon. Oh, allez, c'est bon, ça revient et tout, c'est trop. Ils reviennent à l'infini et tout. Ça c'est déjà détruit du coup. Mais pourquoi ça reste à 0%? Je suis sûr que c'est bugué les gars, j'ai trop le seum. Je sais pas pourquoi c'est bugué, je vous le dis. On va continuer quand même. Ok. Ok, on peut faire l'enchaînement. On peut faire des enchaînements sympas. Vas-y, viens par là, frérot. Voilà. 10%, ça y est. Genre. Je te laisse une dernière chance de te rallier au projet de Castillo, ok? Écoute, les temps sont durs dans ce pays. Il y fait pas bon vivre. La mort est partout. Les gens souffrent. Ils ont pas un rond. C'est tout juste s'ils arrivent à survivre. Mais on pourrait changer tout ça, tu sais. T'es en train de lire un discours de Castillo? Non, je suis sérieux. Mes arrière-grands-parents en ont bavé. Ils ont quitté leur terre natale pour faire quelque chose de leur vie. Puis ils ont légué leur fortune à la génération suivante, mes parents, qui l'ont fait fructifier jusqu'à ce qu'elle me revienne. En gros, tu veux que je foute le camp? J'avoue que ça résoudrait mes problèmes immédiats, mais non. Tu peux rester à Yara, mais Castillo veut du changement. Vraiment, je lui parle tous les jours. Il veut la même chose que toi. Pourquoi nager à contre-courant quand on peut se laisser porter? Donc je devrais accepter les arrestations? Le système de paria? Les exécutions? Chaque société moderne dans l'histoire a eu ses périodes sombres. La seule différence, c'est que maintenant les gens filment et diffusent tout pour que le monde entier s'insurge. Même chez moi, au Canada, il suffit de voir ce qu'ils ont fait aux autochtones. Sans parler de l'exploitation pétrolière, mais bon... Personne n'est parfait. Garde tes discours à la con. Tu n'es qu'un putain d'envahisseur. Continue de jouer les caïds. On verra bien où ça te mènera dans deux générations. Pense à ce que je te dis. Franchement les gars, les points ils réapparaissent, tout ça, moi je comprends rien. Mais ça a pété bordel, non? C'est bon là, ça a pété ou pas là? Allez, tout le monde a respawn en plus.
Bon, je pars pas d'ici tant que ça a pas pété, hein. Oh putain, j'en ai marre de tuer mes potes. Vraiment, je suis désolé. Attendez, on bute tout le monde. Alors retenez bien, on est à 10%, d'accord ? Voilà. Là, il reste encore une personne, je sais pas où. Là. Voilà. Mais... What ? Mais c'était un pote, ça ! Voilà. Bon, maintenant, il se passe quoi, là ? On peut... Il faut faire péter ça ? C'est quoi l'histoire, là ? Ça a déjà pété, bordel, non ? Ah, faut y aller franco, d'accord. Bon bah s'il faut y aller franco, hein. Bon allez, c'est bon, oh putain. J'ai gaspillé ça pour rien. Non mais regardez, mais c'est n'importe, c'est complètement con. C'est complètement con. En vrai, eh les gars, on est d'accord, non? Bon ça c'est fait. Il nous a fallu 10 minutes pour faire ça. Non, franchement, c'est trop. En vrai, c'était pas explicite. C'était pas explicite, c'est terrible. On va y arriver. Mais vous avez vu tout ce qu'il faut mettre pour y arriver? Attends, lui, il va me faire la misère, non? Non, il s'en fout. Ok. 29%. Bah ouais, non, mais c'est trop. C'est trop. Ah oui, il y a de quoi faire péter en plus. Je les vois là d'ici, moi, les tours maintenant. Maintenant que j'ai compris. Et voilà. Maintenant j'ai plus de lance-roquettes, j'ai plus de suprémo. Et en plus, ça suffit pas. Attends, mais. À d'autres. Allez, bah on y retourne. Comme si on n'avait pas compris la leçon. Ouais, allez. Hop, 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 hop. Pas le temps pour les conneries là. Il y en a un ici. Non, il est déjà pété ou pas? Tu vois, tu sais pas s'il est déjà pété, c'est terrible. On sait pas. On sait pas. C'est... Voilà, c'est formidable. C'est formidable. Alors... L'hélicoptère me fait extrêmement chier. Plus de lance-roquettes, l'autre je peux pas le réanimer là-haut. Je sais pas qu'est-ce que je dois péter. Bon allez, allez, résiste. Prouve que tu existes. Ouais, je me sacrifie de toute façon. Bon. Ça, attends. Ça, c'est déjà détruit, ça. Bientôt, j'ai plus de mun. Ah, j'ai plus de mun, en fait, voilà. 29%, bah ouais. Mais où c'est que je dois détruire? À l'intérieur? C'est pas ça que je dois détruire en plus. Ça c'est du bonus ça. Bah vas-y, je vais prendre de la hauteur. Je vais monter. Je suis désolé pour cette mission là. Mais elle ne m'enchante pas. Je pense que vous l'aurez compris. Parce que c'est pas clair. Je suis pas dans le truc là. Là je suis pas dans le truc. On peut même pas sortir, non mais vas-y. Oh.
Allez, toujours plus. Allez, ça, c'est... Allez, allez, allez. Voilà. Bon, donc ça, on peut pas faire. Nico, toujours aussi chiant. Putain. Fous-moi la paix. Allez, fous-moi la paix. Je cherche des silos, là. C'est pas ça. Allez, je peux rien faire contre toi en plus. Ah si, il va crever. Ça y est, il va crever. En plus, il n'y a plus personne. C'est l'heure pour lui de payer pour tout ce qu'il nous a fait. Et Castillo ne régnera plus sur LST. Non, attends. Regarde où il nous met maintenant. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, moi je vais là-bas. Fini les conneries. Elle m'a dit d'aller au port, j'en ai rien à foutre. Moi je vais aller là parce que si c'est pour faire 32 allers-retours à droite à gauche, c'est vraiment terrible. Là au moins... J'ai en visuel ce que je dois détruire, donc ça c'est cool. Non, attendez, franchement, on est... Hey, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis assez curieux de voir ça aussi. Mais non, franchement, là, c'est exagéré. C'est ça que je dois détruire. Là, j'ai en visuel, donc ça c'est cool. Voilà, tu vois, là c'est clair. Danny, laisse tomber les autres cuves de pétrole et viens au port. Allez, okay. Allez, mais c'est bon, là, suce ma bite aussi. Mais sans déconner. Bon, bah voilà. Voilà, tout ça pour ça. Allez, hop, allez, on est reparti. Vous avez bien entendu, hein, je dois pas aller là-bas. Hein. Il faut que j'aille au port. Hein. Pas qu'elle me dise qu'il faut que... Hein. Allez, ma voiture. Je prends un véhicule. Dépêche-toi, hein. J'ai besoin de toi. Je suis là. Non, mais complètement con. Je prends juste ma voiture, hein, messieurs, dames. Merci mille fois. Allez. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Bon, allez. Maintenant, on sait où aller. On sait comment ça fonctionne. Mais quand même, hein. C'est un petit peu exagéré, hein, si je puis me permettre. Allez. Moi, je suis content de cet épisode. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis réconcilié avec la maman, là. Voilà. Finalement, je l'aime bien, la maman. Elle m'a sauvé la vie. Je suis pas en conflit avec Yelena, parce que bah Yelena elle avait bien raison, elle allait pas sacrifier 30 hommes pour moi, ça c'est évident. Donc voilà. Allez, on en parle que ce silo je l'avais détruit tout à l'heure, mais bon visiblement c'était pas scripté encore. Hein. Et maintenant il faut le détruire quoi. Hein. Foutage de gueule complet quoi. Voilà. Hey Mackay, t'es au port? Tout juste mon trésor. À la coule dans ma chambre forte du Made in Russe, totalement impénétrable. J'attends tranquillement les renforts de Castillo. Cool. Ça t'embête si je passe te dire bonjour? Écoute, pochette surprise, s'il y a personne avec toi, viens et parle calmement. Je suis désarmé. Eh ben, pas moi. Le problème, c'est que j'ai plus de munitions en fait. Et ça va falloir le comprendre quoi. Allez go. Bah je peux rien y faire hein. Bon allez putain mais c'est quoi ce jeu de merde. Allez c'est bon, non là par contre c'est trop. Là je craque hein, là. C'est bon, j'ai pas de mun, je peux rien faire, Le Supremo il fait n'importe quoi. Jamais de problème avec. Complètement con cette mission. On peut rentrer, on peut pas rentrer. Y'a pas des mules à quelque part? Ah merci, je sais pas où c'est que j'ai récupéré ça.
Allez. Allez. On se ressaisit là un peu. Bon, l'hélico, je peux rien y faire. Hein. Attendez, on peut faire quelque chose. Vas-y, viens voir connard. Oh, allez. Oh putain. Ok. Allez, recharge maintenant, c'est trop. Bah oui, bien sûr. Ça ton hélico, regarde. Là, je me suis dit le supremo il allait pas marcher, ça aurait été très drôle. Ah ouais, adieu. Parfait. Bon, faut détruire les machins là. On va prendre de la hauteur un petit peu là, on va se ressaisir. Voilà, il y a ça à détruire, non? Ça marche pas. C'est ça ce qui me flingue, faut détruire des machins, ça fonctionne pas. Allez, l'hélico il revient. Bah ouais, bien sûr. J'ai de nouveau plus de mun. Oh, allez. Bon bah voilà, c'est génial. Hein. Mais là les soldats se plantent pas là, les soldats nous tirent dessus. Oh là 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 là. J'ai plus de soins là après ça. Oh allez, mais je peux rien faire. Je suis à découvert tout le temps. Je peux rien faire. C'est insupportable. Allez, mange tes morts là, mange tes morts. Ça fait 4 fois que tu le dis. Allez là, on pète tout maintenant. C'est pas vrai, ils servent à quelque chose mes collègues. Putain, la mission elle doit durer 5 minutes. Elle dure 30 minutes avec moi là, c'est pas possible. Bon allez. J'ai plus de mun, hein. Un hélicoptère, bien sûr. Bien sûr, un hélicoptère. Bon. Voilà. Allez.
Mais genre l'hélicoptère il me regarde, même pas frérot. Mais tu me vois pas, arrête. Oh, y'a plus rien à détruire là. Bon, je récupère des machins. Ah, quel enfer. En plus il tire où là? Bon, je vois pas qu'est-ce que je dois péter là, mais parce que ça marche pas. Voilà. Bon, je vais quand même tenter. Genre ça a marché maintenant. Genre maintenant ça marche, avant ça marchait pas, tu sais. Yes. Ce fils de pute est à moi. Ah moi je fonce hein, là c'est... Maquet. Les gars, l'heure est grave. Si vous ne réagissez pas, battez-vous pour Castillo. Maquet, il aura bien mérité ce qui va lui arriver. Hein. Là je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. Allez, je sais pas comment on fait pour monter. Bon bah c'est pas par là. Et il y a un tank, non mais bien sûr, toujours plus. Toujours plus. Bon bah on se casse. Allez. Go 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 go. Vite le bateau. Yelena, Maquet était pas là. Ce bureau c'était un putain de piège. Cognon, l'info venait d'une crevure de traître. Si je sais une chose sur les envahisseurs, c'est qu'ils n'ont qu'une idée en tête en cas de défaite. Maquet est forcément sur un... Et bah voilà. Yelena, si Yankee était à bord, c'est un homme mort. Malheureusement, il est sur le bateau plus éloigné. On est sûr cette fois? Je tiens l'info d'une des sources de Gilberto. Elle est à bord, et l'a vu de ses propres yeux. Je m'en occupe. Gilberto va se joindre à la conversation. Ok. Eh ben... Wow. Qui c'est qui se permet de me tirer dessus là? Salut mon chou, j'ai de bonnes nouvelles. Le petit caméléon que j'ai à bord a saboté le moteur. Elle dit qu'il y a un trou dans la coque d'où s'échappe de la fumée. Tu devrais le voir. Je le vois. Toi et tes caméléons, vous êtes incroyables. Je sais, mais surtout ne leur dis pas, sinon je devrais les augmenter. Je vais ouvrir l'œil et me frayer un chemin. Bonne chance mon chou. Abandonne. Allez. Par là. Allez, 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 allez. Bah ouais. Ouais, ok, bon bref, allez, c'est bon. Allez. On peut pas rentrer là. Je ne peux pas rentrer, je me fais juste dégomme. Si tu ne vois pas de trou, cherche de la fumée. Ok, c'est parti. Shit!
maintenant on peut y aller. Enfin bref. Bon, c'est fou comment je résiste aux balles, hein. Je suis vraiment, mais... Eh, franchement, immortel, quoi. Donc, bah, c'est génial, on va en profiter. Hop. Voilà. Continuez de me tirer dessus, je suis immortel, les gars. T'inquiète, moi je. Il y a des armes chimiques à bord. Il y en avait encore plus sur l'autre bateau. Il est pas là. Je vais voir en haut. Je parle pas trop, désolé, je suis fâché. Hein. J'ai bien battu les gars, mais c'est fini. On a perdu. La deuxième place lors d'une guerre civile, c'est pas si mal. Sérieusement, ce fut un honneur, les gars. Moi, quand je suis fâché, personne peut m'arrêter. Hein. Je vous le dis. Quand je suis fâché, rien ni personne peut m'arrêter. Je réfléchis pas, je fonce tête baissée. C'est bon, Ruan. Pochette surprise est là. Danny, la situation a évolué. J'ai pas envie d'entendre ça, Ruan. Ouais, ouais. C'est qu'un furon sur le cul d'un castor. Bon. On s'est mis d'accord, n'empêche. Mackay propose de filer un paquet de pognon si on le laisse partir. Je te parle de vrai dinero, Danny. Clara n'acceptera jamais. Je m'occupe de Clara. Toi et moi, on sait que la vraie guerre commencera à la mort de Castillo. Et on pourra pas gagner sans argent, crois-moi. On s'en sort vachement bien avec des balles. Tu le laisses tranquille et tu retournes au port. Je suis en train d'y aller. Il est temps de faire la fête. On a gagné. Tout ça pour ça? Vas-y, pochette surprise. Va rejoindre la fiesta sur le continent. Je suis sûr qu'ils t'accueilleront à bras ouverts avec une pinata. Je réfléchis. J'ai le choix. Ne me dites pas que ça fait partie du choix. Comme disait ma grand-mère, tous ceux qui ont un prix sont des putes. Sale enfoiré. Ok, ok, écoute ça. Pitié, ne me tue pas, j'ai des enfants. Merde, j'arrive même pas à rester sérieux. Les gars, je sais très bien ce que je vais faire. Ça va, frérot? Allez, souffre. Adios, Mackay. J'ai fait mon choix, les gars. C'est de toute évidence le meilleur des choix à faire. J'en ai rien à péter. On n'a pas fait tout ça pour rien et on n'a pas besoin de thunes pour y arriver. Hein. On n'a pas besoin de thunes pour y arriver et Clara, elle sera jamais d'accord. J'en ai rien à foutre. Qui crève. On a tué tout le monde. On tuera tout le monde. J'en ai rien à foutre. Il m'a énervé. Il sert à rien. Là, on fait la fête. Restez à tout jamais, Dani. Yelena. Je regrette seulement que Ron t'ait pas vu descendre cette sale ordure. On l'emmerde, Mackay et sa thune. Bien Faites sûr. Faites du bruit pour Danny. Merci. J'ai fait le meilleur choix, je le sais. Et je parle pendant la cinématique, y'a quoi? J'ai déjà fait assez de discours. Alors je crois que c'est le moment pour moi Tout de dire qu'il y a... Tout est passé, Lorenzo. Hmm? Lucky? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment chanceuse. Quand je regarde dans les yeux de votre génération, je vois le même feu, la même passion, le même espoir que ceux qui m'animaient. En nous unissant, nous avons une chance de changer les choses pour de bon. C'est à vous de jouer. Que cette guerre soit la dernière de notre histoire. La morale. Les légendes de 67. Bienvenue à LST, Clara. Bienvenue chez Libertad. Merci, mais non. La morale s'en sort bien seule. Oh, vraiment? On aidera à tuer Castillo, mais on gardera aussi un œil sur Libertad. Tu veux que je fasse confiance à ce vieux croulant pour réparer Yara? Non. On se bat. On ne tue personne. Tout à fait mon genre. J'aurais pas dit mieux. On se voit à Esperanza. Ouh. Allez. Et bien voilà, la morale et les légendes à nos côtés, on a uni tout le monde, on a uni toutes nos forces.
Et voilà, bah là. Allez, va pleurer tes grands morts, le dictateur, vas-y. Je sais que beaucoup parlent encore de la révolution de 67 comme si c'était un rêve. Que ces infâmes meurtriers passent pour des héros. Sachez-le, ils détruiront votre avenir comme ils l'ont fait pour mon père. Quand je regarde dans vos yeux, je vois des lions. Libertad, la morale, les assassins de 67, des mensonges. La vérité, un mot les qualifie tous, terroristes. J'ai comme projet de reconstruire le paradis. Hélas, ces terroristes ont fait en sorte que le sang des nôtres soit le prix du paradis. Éliminons les révolutions pour de bon. Assurons la victoire de tous les lions. C'est vraiment une ordure. C'est vraiment une ordure. Oh, autant je le trouvais, allez, pas sympa, mais quand même. Oignon, j'aurais aimé que vous soyez là. Quelle ordure. Quitter le QG de la morale. Bon. Ça fait du bien d'avoir réussi, parce que j'étais très grognon là quand même sur toute la mission, d'accord. Mais c'est ce qui donne la force d'accomplir. C'est ce qui donne la force d'accomplir, c'est ce qui m'a donné la force de buter ce chien. Parce que franchement, moi je comprenais pas, moi j'allais partir. J'allais vraiment partir, mais non en fait. On va pas s'asseoir sur son pognon. Maintenant il est mort, tout le monde est mort, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. J'ai très peur. Le prochain épisode, c'est le dernier épisode. Hein. Je le sens. Bon, allez. Elle est où la fiesta? C'est parti. Bah, y'a plus de couvre-feu en plus là ou quoi? Attendez, normalement y'a un couvre-feu là, non? Eh non, c'est la fête. Incroyable. C'est la fête! Attendez! Ouais! Encore un feu d'artifice! Magnifique. Donc en plus, on a plus de couvre-feu. Ça, c'est formidable. Bon, les amis. Et dire que là-bas, on avait fait la fête aussi. Voilà, on a pu aller sur cette île. Bon. C'est là-dessus que nous allons nous quitter. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. On approche dangereusement de la fin. Quel bonheur, quel plaisir, quel... C'est magnifique. Danny, retrouve-moi au monument El Guardian à l'extérieur d'Esperanza. Vite! Qu'est-ce qui se passe, Juan? C'est Clara. Ramène tes fesses. C'est le jour J, Danny. Le grand jour. Merde. Eh bien, voilà. Il vient de compléter ma phrase. C'est le jour J, les amis. Demain, je vous retrouve avec grand plaisir demain. On va être à fond, les gars. Bombardez-moi cette barre de like et je vous dis à très vite. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.